Bonjour, mon Amboka. Ah, bonjour, nos journalistes. Merci beaucoup, mon Amboka. Toujours, moi, je suis de la Congolais Télévision. On a une petite traitée, moi, je suis de la politique de la République démocratique du Congo. Okay. Ben, je vais comprendre la maison de la République démocratique du Congo. Dans le monde, on va voir la côte de la Congolais, santé politique de la République démocratique du Congo actuellement. Merci, nos journalistes. Santé politique, il y a. Il y a un mot cannabis en République démocratique du Congo, et ça animé dans la réalité autonome, mon colonel, mon colo. Et puis, Batouba et Bakeno, et ça a commenté, c'est partout. Même aux États-Unis, actuellement, il y a des tensions entre républicains et démocrates. Partout dans le monde, dans des vraies démocraties. Donc, la RDC, c'est une vraie démocratie. C'est tout à fait normal. Batouba s'exprimer, n'est-ce pas, Lindy. Il y a un moment donné, quand ça. Constitution est consacrée à la liberté d'expression et d'opinion et de religion. Il y a un moment où on a dit que nous avons dit que nous avons dit que la constitution et que les Congolais a exprimé un point de vue, mais il y a respect à nous. Quand vous dites que la liberté d'expression, on va dire que j'ai un cas où il y a un type qui a évadé. Quand vous dites que la liberté d'expression, est-ce que la liberté d'expression, vous allez aussi au moment là? Moi, je suis en train de porter disparu. Je suis en train de faire perdre au combat et je suis en train de faire un mandat. C'est ça, on vous appelle. Mais il faut. D'accord, place une bébé Zali, il faut faire la part des choses. Il n'y a pas un statut particulier conféré aux opposants. Que eux, ils ne peuvent pas être l'objet d'arrestation. Il ne faut pas te battre le rôle dans le tout. Alors, si tu as dit, M. Seth Kikuni, un vendeur de costumes, de trucs, un tailleur qui s'improvise politicien, est allé à Lubumbashi et il a tenu des propos séparatistes incitant les Katangais contre le Kasaïen, parce que président de la République Kaza Kasaïen. Est-ce que Wana, Ezali, Mibekwa, l'État est autorisé? Mais papi, tant que avant de ce qui est Wapi, Abatami, Nayazoko, s'enlèvement. À mon avis, ce papi, Patrick Local, a autoko s'enlèvement. Donc, rien du tout. Azan a besoin de ce qui n'est il n'est pas enlevé, mais je sais que Kouni, Azan a beaucoup de service, il y a l'État. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est un tribal, il veut mettre le Kassayen et le Katangé dans la situation où il y a affrontement pour maquiller Tanganamboka. Alors, l'État, l'État, au-delà d'être providence, mais l'État Azan aussi gendarme. C'est-à-dire, bah, bengé na science politique, Léviathan. C'est-à-dire, l'État, Zawana, pour imposer la société, bah, norme sociétale. Donc, aujourd'hui, ils ont démontré que opposants n'y sont, à quoi y aller la télévision, le bio, y aller, à quoi finir même, au Konzamboka. À qui n'a pas pas là, l'obé à la moukake. Mais nous, là. Non, monsieur Jean-Marc Kabou. Dire simple. Où est-ce que vous avez appris que c'était de dire simple? Au moment où Alobi Mukondi Yamboka, numéro 1 Yamboka, Azokami Solo, l'État Bimisarango, n'a pas pour qui n'a mis qu'il a papa. Parce que Bengi Sien, Abazou, Ziba Ebisien, la qui sa place est Outaki, compagnie d'aviation, et Mimaki Mbongo, et puis place Niba Loja qui est en Alobi Nini, n'a pas le Lokaï Nangaka, à tout Bando Lobani Mwana. Est-ce que Neko Nangaï, est-ce que vous m'avez dit que non, pour salir l'image Yamoutou, ils ont infraction? Ou bien une diffamation. Yo le lingo sali boy utai karako selio makambo. Et puis te tikiye parce que comme on est jamais makambo. Yango toujours singa na ba congolais nyo sona ba politiciens faut toujours en retenir dans le langage na biso. Ko finga mo konzambo ka matani di soir libota na ye, ce que ceux qui ba porter plainte et comme ni acharnement. Non. Ils na ba politiciens sous son position. Ba osa l'opposition moko correct, ils sont jamais inquiétés. Mais tant yo zo ke na dehors ko benga ba kasayen na ba katangé, ba bunda, ba bomana. Na ki le tanga. Est-ce que vous, phototique à vous, pour comment nous sommes dit que comment vous venez vous juger à l'IDPS? Je pense que vous êtes cadre aussi de l'IDPS, vous avez jugé Kabila dans tous les mots. Mais oui, parce que. Mais Kabila, c'est ça, vous comprenez tout le monde, c'est que moi, je suis justice, je suis en prison, je suis en prison. Vous êtes tout le monde, vous êtes tout le monde. Mais vous êtes tout le monde, vous êtes tout le monde. Oh, bah, il y a un peu de bazar, il y a un peu de bazar, liberté, ça là qui quand même. Tu as perdu, ça semble la canzambe parce que Bissonde ou tout le monde. Mais oui, et puis, bah, quand on a un peu de temps, on a perdu la vie. Ndeko, peut-être, on a dit, en septembre 2016,
des frères que je connais, les Moukassa et les autres, ont été brûlés vivants. Awa na 24 awa, ou bien armato ou. Azwa kaka lokola sa pata bambi na cortège, nenga ba kena nene wana. Tilo lo, nous autres on est place ba kunda ezate. Ou bien fidèle bazana, c'est le frère de Chebeya. Ou bien place ba kunda e. Ou bien, nenga di ni Chebeya koufa na mboko yo. Chebeya koufa, na lopangu ya l'état, ya la police. Ba bomaye, ba kebwa ke kota mite ni na ba préservatif, na ba peri kia basi. Na kende sou mousika baboma Marius Gangal ya zawapi. Boutete ya zawapi. Frank Ngui kende kona bino journaliste, confrère na bino zawapi. Ndeko, oui babundu dia ma bundu dia Congo yayi combien plus de 2000 morts. Le Cameroun sa pour plus de 5000 morts. Zolo ba pepernek, zo tumbola na ndeko. Mais Kabila, Kabila on les a vantés. Mais c'est un Rwandais. Mais je vous dis, c'est là où Bino ba Congolais. Vous êtes naïf. Président. On a pris un Rwandais qui n'est jamais né au Congo. Ma cousine, non. Non, 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 Rwandais de son état qui n'a jamais vécu au Congo avant 1996. Et vous venez aussi le vanter ici, un Rwandais tout né avec une jumelle qui n'a jamais. Même à l'ambala, autour de la témoignage, il y a pasteur Sonny Kafuta. Alambalo Bango, l'erreur qu'on avait fait d'avoir associé ce monsieur qui n'est pas Joseph Kabila, c'est un imposteur. Son nom c'est Hippolyte Kanambe. D'ailleurs, on a Bukavu. Est-ce qu'un de vos journalistes est bien? On tape ce combo à Kanambe, Kabangeza, Ngoïmoukena, Wazaï gouverneur et à Katala. Ils n'ont jamais été jumeaux. Mais Bako Sibino, voilà pendant 10 ans. Un intrus, un étranger vous a dirigé. Aujourd'hui, vous adulez, vous vantez Kabila. Ndeko, ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, bien que pas ses alliés, mais il est en train de nous amener vers notre Canaan. C'est ça la vérité. Mais il y a les douleurs de l'enfantement. Ça, nous acceptons. Canaro, moi, je suis débuté par le BDS, c'est un échec déjà. Au terme de Joseph Kabila, considéré comme Kana ou Benoza, c'est un échec déjà. Mais il a fait une déclaration politique qui n'a pas été endommée. Dans un peu exemple, peut-être Bino Boébité. On dit que Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, tous les documents l'attestent que ce n'est pas un Congolais. C'est lui, Michel, qui nous l'a amené ici. Dans ma malette à Laurent Désiré Kabila, ton frère est mon frère. On dit que ce monsieur, pendant 18 ans, va contrôler secteur vitaux, il y a beaucoup de gens dans le monde de l'État. On peut ce exemple. Je dis, Mbongo va créer égal et outre la Banque centrale et qu'il y a la BGF Bank. Mbongo na yonangaï, Madame Olive, moi, si à Joseph Kabila, Kanambe, à ça là égal. Ils sont dans tous les secteurs, ils ont plus de 68 entreprises dans tous les secteurs. Ils contrôlaient tous les marchés, tous les ports, tous les moyens de transport. Tous les moyens de distribution, ils sont venus pour leurs intérêts personnels. Donc, ce monsieur, il a plombé notre... En fait, il a utilisé l'économie comme une guerre politique, comme une arme politique de Yébiango. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens. En fait, aujourd'hui, dans une émission de Kabila, au Bino Bando, quand ça danger, là, Félix Azos est en train de le terminer sur Boué Bando. Ouais, quel échec. À quel échec? Non! Non! Mais Didier Boudimbo, il y a un gouvernement pour se dire que c'est que Didier Boudimbo n'a pas quitté. Je ne peux pas, excusez-moi, m'azarder à ça la commentaire. Maintenant, il lobby en tant que cadre de l'IDPS. Ndeko, il n'y a aucun président. On dit que dans le il y a un président. Il y a que Mobutu qui peut égaler plus ou moins Félix. Mais d'ici là, Félix, on l'était en termes de construction, en termes de franchitude. Oui, bien déco. Sur lequel est l'eau? Nazion a maboko. Tokéi aujourd'hui, place au bazar tonga barocade, 200 km qui part de l'ouest à l'est du pays, et de Kinshasa. Sur lequel, moi j'étais dans la frontière entre Kinshasa et Mongafula. Le président de la République, je suis contre Monsieur Eric Nindou et Madame Dina Salama. Le président est en train de faire de grandes actions partout dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une bonne communication. En fait, Kabila était faux, mais il avait une bonne communication. Il paraissait vrai. Ce que nous disons, c'est vrai.
une mauvaise communication, nous apparaissons faux. Merci beaucoup, Président. Je vous comprends, plus de 100 personnes dans le projet Makala. Je ne sais pas si c'est politique. Comment vous avez trouvé cette massacre? Je ne sais pas quoi dire. Massacre ou bien mini? Pour que vous avez dans le prison pour la canaliser avec la prison de Makala. Je n'ai pas si ma famille ma condoléance. Je vais prouver. Mais qui n'est pas qui? Il y a un Congolais. Non, mais qui n'est pas qui? Il y a un Congolais, monsieur. Non, mais il y a un Congolais, nous autres. Parce qu'il y a des Congolais de bonne qualité et des Congolais de mauvaise qualité. Ma Congolais a ma mauvaise qualité, n'est pas un massacre, une tuerie, un carnage. Une bandelie. Oh, nous, on a mon Congolais, un carnage, massacre. Tuerie, c'est un Congolais de mauvaise qualité. C'est de la sorcellerie comportementale. Tu sais pourquoi? Ma criminologue, ma lobby boy. Pour la beau mamout, il faut que vous ayez mobile et motivé. Parce que vous avez vu que vous avez Félix. Ma beauté et ma famille sont bien éduquée. Il n'a jamais fait la rébellion. D'après, ma Congolais, mon sous, il y a mauvaise qualité. Mais ma bouquet, au bas, je suis battu dans les réseaux sociaux. Qui est à couper sa ordre de Mme Judith Souminoua. Maman Batou, bien éduquée. Et puis, Mme Judith Souminoua a couper sa ordre de Constant Moutamba. Arrêtez que nos mamans prisonniers. Est-ce que ça logique? Il n'y a pas eu carnage, il n'y a pas eu tuerie. C'était quoi? C'était une tentative d'évasion. Même le ministre d'État a lobby que c'était du sabotage. Les services de sécurité et de renseignement, ils ont déjoué, complot et mêlé. Ça, c'était un sabotage. Dans un petit exemple, je dis que Pasteur Mukuna, ton Azala en prison, mais il avait, heureusement, il avait un téléphone. C'est-à-dire intrusion, il y a des inconnus qu'on a fait entrer pour aller faire le forfait. L'État lobby 22 personnes qui sont mortes par balle, je vais expliquer, et 107 morts par bousculade. Dès que tout le monde est concerné, mon président Kiawat, la bousculade était. Maintenant, imaginez prison et salamadi pour 1500 personnes. Mais aujourd'hui, ils sont à 17 000. Si quoi, intrusion et salami. 5 pavillons, ma fumoli di kouke na mo. Na moutou y a prisonnier nyo se zarak évasion. Or, mi pe kosiko y a l'été le biboué. Ce qui évadé moko, a pomboué, a pombouki, préposé au hasard dans la prison, a pour informer, a pour saisir bourgmestre, et puis on a lancé au babé y a vu des recherches. Mais maintenant, on a tous à 2h du matin, entre 1h et 2h du matin, mou les hommes à courir katani. Ce qu'on batou bazo bima, en désordre, pour parce que Mouton Nut, on dit pavillon 4 en prison, c'est là qu'il y a des condamnés à mort. Donc, le réflexe, il y a Liboso, c'est d'échapper là-bas. La prison, ce n'est pas une bonne chose, Moutakosote. C'est pendant ce moment-là. Est-ce que Mibek Pessi n'a pas service à sécurité, ma bête à massa si la Mouton Azo s'évader? Je dis oui. Que nous t'en a Mibek à l'État? Parce que, ma maison pénitentiaire n'a pas frontière et ça régit la même loi. C'est-à-dire, si tu es un intrus, un inconnu, tu franchis la frontière, on peut te tuer, on peut te tirer à bout portant. Du coup, imaginez un militaire à Zanamunduk à 2h du matin. Il fait noir, il pleut. Il y a tentative d'évasion. Et que lui, il a aussi besoin de sa vie. Il a dit, il y a un opposant, il y a un opposant, il y a une minute à Pamba. La prison centrale à Makala, na pavillon 4. Bagosalo papa papa. C'est là que tu comprendras que ceux qui sont dans. Je dis ceci, na kata prison, il y a un problème sérieux aussi. Il y a bato bazaba innocent, bakanga bango. Asambisa bango te, il n'y a pas de dossier, mais règlement de compte, baboka bango kuna. Na bazouzi moussous na ba procureur. Mais il y a des vrais criminels là-bas. Que bino bozo raisonnite, ceux qui va bimia na Kinshasa, ils vont nous régler des comptes. Et que ces militaires-là connaissent ces gens-là. Mais il y a des gens qui sont morts par bousculade. Mais c'est le même gouvernement. Par l'entremise du ministre d'État, ministre de Justice, quand la militaire autour de lui, ça a plus de 1000 personnes. Pour avoir bien un désengorgement, autotique à ma matelas pour balader dans la condition de lien. Autotique à bilo, quoi. Lien à ma kissi.
Mais le gouvernement, il y a un bon moment pour m'assurer. Je ne sais pas si vous avez une question. Bazolinga va créer tout simplement chaos. C'est-à-dire va rendre le mandat à Félix, balobango déjà. Donc rendre mandat na ye ya mabé pour ça l'autre ko iko ça balobango na bétablé. Babandi ko ça la misala bango. Babandi ko ça la misala na bango. Mais tout ça bango boko longa té. La sécurité ça qui vraiment efficace. Papa, ouais, les États-Unis tombe ba vie bêta ba immeuble. Les États-Unis, c'est le pays le plus sécurisé du monde. Hein? Et les terroristes ont frappé des immeubles et eu plus de 4000 morts. C'est-à-dire, en matière de sécurité, il n'y a pas de sécurité garantie zéro. Ça n'existe pas. Quand l'ennemi vient frapper. Mais ce qu'on problème, c'est qu'il y a une capacité à maintenir, à maîtriser la situation. C'est ce que les militaires ont fait. Alors, ce qu'on a, c'est que la politique. En fait, et comme au moins, il va poser mon combo, ça, c'est une argumenté. Et comme il fonds de commerce politique, il y a ma belle, ma famille, avant tout, au lieu de compatir, et comme je suis un fonds de commerce, un milieu politique. Et que c'est un bâté. Ah, c'est un bâté. Et comment ça l'est venu? Mais bon, là, tu sens qu'on a voulu. Ça, c'est une récupération politique inutile et bête. Merci beaucoup, mon avocat Joseph. Nous aussi, au Cospé, il y a beaucoup par rapport à carnage. Mais c'est qui t'es carnage, Bon, oui, bon, toi, le la carnage. Tu connais le contenu de cette de mot qu'on appelle carnage. Expliquez-moi, il y a beaucoup, peut-être. C'est-à-dire quoi? Carnage, on peut simuler ça à un génocide. C'est-à-dire, tu y es avec un commando. Hein? Vous en êtes dans un bâtiment où l'ordre est donné que Moutoua Bimate, Moutoua Akotate, Moutoua Nyo Sosanaka, Tibo Boumaye, peu importe le moyen. C'est ça qu'on appelle carnage. Donc, c'est un peu comme ça, carnage. C'est un carnage. Donc, c'est un type d'évasion. C'est un type d'évasion qui a tourné la drame. Voilà le mot qu'il faut utiliser. Merci beaucoup, mon avocat Joseph. Nous aussi, vous expliquez que vous avez tous opposé à un carnage. Et pouvoir en place. On a représenté. C'est des gens qui sont perdus en perte de vitesse. Il y a évasion. Autrement, même ministre, vice-ministre, il y a un bilan. Précipitation, demeure. Mais il faut appeler sa précision. Dans le moment où on a titulaire dans la province, dans Kassai, il était de bon droit à qui est sur place à communiquer. Peut-être péché, Zakar, que non, il a avancé des chiffres. Il aurait seulement dit dire que. Il y a des cas de décès, mais le bilan sera connu dans les heures qui viennent. Exactement. Mais il s'est hasardé. Ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas en faire tout un procès. Ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que non, ils ont le parcours à langage. Hein, qui est assez précipité, qui a repris sa bilan. Il y a un moment, le vice-premier ministre, le ministre, il y a intérieur. Naïemoko vice-ministre de la justice, ils ont fait ce qu'on appelle le bilan provisoire de l'enquête. Merci beaucoup, mon avocat Joseph. Toi qui as commencé par la ministre de la garde des Sceaux et de la justice, mon avocat Constant Moutamba, on a tous eu la pression, on n'est pas côté de la carte, la pression, ming, par-ci, par-là. Je ne sais pas, mon avocat, tout ce que l'on attend, après-midi, tu as dit ça, ministre, cabinet de Mobimilani, entouré d'un poison, bureau, Bakiti, dans mon épée présence, il y a la police scientifique dans le cadre de l'Ambo Constant Moutamba. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? Si c'est des montages qu'ils sont en train de créer, ou bien il y a du populisme, il y a des discours. Comment vous entendez trouver ça? Au côté de la Congo, la Congolais, c'est dans mon thème, ma belle âme, du côté Congolais. Le Congolais préfère accepter un étranger que son frère. Comment ça? Mon Kondambo, ça dit diagnostic à lui que la justice est malade. Nous avons un ministre Moko, où il a pu s'en monter ma passe, où on a retiré la conduite maratée, même si on a écouté Nanzela, on a pu se respecter, Madame Rose Mutombo. Le casting sur le choix Madame Rose Mutombo, il m'avait parce que c'était une magistrate de carrière. En fait,
Mukonzamboka, il a trouvé une perle rare, mais dans l'opposition. Il le ramène au gouvernement. Tout le monde avait critiqué. Oh non! Mais quand ce monsieur a commencé avec sa méthodologie, aujourd'hui, il a mis tout le Congolais et de l'opposition et du pouvoir d'accord. Aloubé Lokomoko qui m'a tiqué. A dit, si j'avais accepté d'entrer dans la mafia, au moment où je parle, j'aurais un petit 10 millions de dollars dans la compte dans ma banque et puis une maison. Maintenant, je me pose la question. Par rapport, il y a une formation, il y a le ministre Constant Mutamba. Je sais que Mme Rose Mutombona est un millionnaire. Ma caïche est parti dans la vie. Je suis intérêt, mais ce sont des millionnaires. Qui encore avant Mme Rose Mutombo, bah, tout n'a qu'à s'aider. On se comprend. Je prends tout le monde. C'est-à-dire quoi? Il a compris là où se trouve ma benne à justice. Ici, je ne vais pas y citer cette corporation. Oh, bah, comme on est nous, bah, oh, le lobby tout le côté, entre ma avocat et ma magistrat. C'est là où se passe le problème. C'est là où se passe le problème. Constant Mutamba, aujourd'hui, il est en train de débouler le système mafieux qui a pris en otage la justice congolaise, du sommet jusqu'au dernier. Vous, vous croyez une telle personne, avec toutes ces forces-là, des multinationales, des entrepreneurs, bah, membres en justice, oh, bah, coopérarana, bah, toi, là, ils vont accepter un tel monsieur? Mais Batebele va au coup faire la poison, ça va constant Mutamba. Peut-être aux informateurs. Combien de gens ne sont-ils pas en train de mourir chaque jour dans la poison? C'est tout à fait normal. Ce monsieur, aujourd'hui, c'est parmi les personnes. Et puis, il y a pas un ministre de la justice dans le monde. Au hasard, très sérieux. Ils font toujours l'objet de menaces de mort. Constant Mutamba n'est pas épargné. C'est un jeune qu'il faut soutenir. Aujourd'hui, il est en train de détruire ce qu'on appelle l'omerta. L'omerta, c'est à qui? C'est la loi de du silence. Dans la mafia, ça dit que nous sommes tous liés, nous sommes tous en interconnexion, nous sommes tous par d'ailleurs. Alors, quand on dit ça, Pelé Mongo, pour un dossier de 43 millions de dollars, où il devait bénéficier de 10%, on va passer 4 300 000. Sauf que tu as 1 million de dollars, on va donner à 100 dollars pendant 27 ans. Déco. Du coup, yo-yé, vous avez déboulonné le système. Voilà. Mais il va attenter à ta vie. Oh, il va revenir à ça, populisme. Mais finalement, populisme. Depuis qu'il Non. Il est en train de poser des actes qu'il faut. Même quand on a beaucoup à louer la visioconférence à Zélan. Donnons-lui du temps, voyons ce que ça va donner. Combien de personnes dans ma prison en a autres ont déploré les lots à côté de ma prison pour des faits bénins comme ça? Bravo au ministre Constant Mutamba, tout notre soutien. Merci beaucoup, mon avocat Joseph. Toi qui es dans le bar, on a M. Sukota là. Avant de commencer, il y a Daniel Bumba. Toi qui es dans le bar, on a la négociation dans quatre projets ou le projet national. Oh, mon avocat Martin, Fayou la Doussenga. Tout ce qu'on a même demandé, Fayou la Doussenga, changez-moi le langage, je m'en moquais vis-à-vis en pouvoir en place. Et à ça, c'est dur, vraiment, t'as l'église qui est mort et qui est dit Bosso. Il est en train de demander la cohésion nationale, vous, pouvoir en place, comment vous êtes en train de trouver ça? La cohésion nationale, c'est un travail de tous les Congolais qui ne nécessite pas un dialogue. Martin Fayoulou est dans une logique, peut-être, Bino Bozo et Baté, oui, Batamina, c'est, vous voyez, Bango, dans les jours qui viennent. Selon ma source, une seule information, et comme il faut concorder, il semblerait que, qu'ils soient en connivence avec Nanga. Et que, les Nazo peut information. Et que Nanga qui est dans la Poto, tous ces lobbies, parce que Nanga a été condamné à la peine de mort. Mokonzambo a lobby qui a négocié na M23 et na AFCT. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura plus de mixage et brassage dans quatre armées, il y a un Rwandais, un Ougandais, un Burundais. Du coup, il fallait trouver une autre formule de ramener ces gens. Et il y a un homme politique qui s'élève, Gotika Félix, qui est en 2028. Vous êtes des fous dans vos têtes. Mais la Constitution dit à Félix d'aller jusqu'en 2028. Du coup, mais non, dans le deuxième mandat, la première année, mais finalement, on est où, dans quel pays? Tous les régimes, tous les pouvoirs dans le monde ont toujours eu des défis sécuritaires, sociaux, et on est des défis gouvernementaux à faire face. Ils ont nécessité de dialoguer. Tu veux qu'on récupère Bambo dans Routchour? Est-ce que mon ami dialogue, nous te salagé que non, Routchour, tu récupères Bambo dans Routchour, localité Bambo? Ça, c'est l'armée. Est-ce que M. Martin Fayoulou,
Donc, d'ailleurs, écoute, il y a des cadres de l'IDPS qui peuvent faire mieux dans la mobilisation que lui. Il y a des militants, il y a ici des balances à rouler l'armée. Tu as entendu ça? Comment un dialogue entre Congolais peut résoudre le problème de l'Est, étant donné que il y a crise en Est, il y a des balances à rouler. Après dialogue, nous, Congolais, après avoir tenu le dialogue, nous vous demandons de quitter le pays et puis Babini, parce que Martin Fayulu va faire une déclaration. Mais la zone est mise en position. Nous, à l'IDPS, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans notre mandat. Et ça, pire que nous. Mais ce matin, il fallait les faucher financièrement. Il a fait 11 pour 1 sur 26. Est-ce que vous pouvez bien voter? Dès que tout le monde a eu un mandat, nous allons nous assumer. Namabé, namalam. Merci beaucoup, Namboka Joseph. Tu as parlé sur ville de Kinshasa, qui s'est même préparé à Namboka Daniel Bumba. Ou Azali, vraiment, si j'ai payé à Mokiri, Mamouké, je ne sais pas, pas Yimboka Kinshasa. Partout, M. Denel, vous me gouverneur au Kenya, vous avez des photos, vous avez des bongi. Moi, je suis toujours comme gouverneur, moi, ça très faible comme ça. Donc, c'est là. Si tu as pas de voilà encore. Daniel Bumba, c'est là, non. Est-ce que. Ton aïe dans le bureau, dans le binoir. Vous avez dit que 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 vous avez. Ah. Mais à peine conférence, mon Amboka Joseph. Peu importe, il n'est pas le seul et il ne sera pas le dernier au Lala. Oh, mon Amboka Joseph, il y a une valeur. Comment c'est fait tout ça? Et bon, au Lala, pour les années, il y a une valeur. D'après vous, Naba Congolais Moussousou, on a moni baso tweeté parce que Baninga Naba Daniel Bumbate, ils sont dans un certain réseau. Au Baninga, ils ont un pouvoir dans la province. Au Lala, les antivaleurs. Au Lala, les incompétences. Ndeko. Daniel Bumba a tenu un discours